Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour illustrer le chapitre 4 de la partie 1 du programme de thèse Génétique et évolution, un chapitre qui va parler d'évolution de la biodiversité. Dans un précédent chapitre, on a étudié tous les mécanismes qui produisent cette diversité du vivant ou biodiversité. Et bien, l'idée de ce chapitre, c'est de vous montrer que cette diversité du vivant n'est pas stable et qu'au cours du temps, elle va forcément subir des transformations, des changements. Et ces changements et ces transformations correspondent à ce qu'on appelle l'évolution du vivant ou l'évolution de la biodiversité. Pour résumer l'idée, alors, il va falloir maîtriser déjà la notion de population. Alors, vous rappelez qu'une espèce concerne un ensemble d'individus qui sont tous interféconds et qui possèdent tous les mêmes gènes, mais pas forcément les mêmes allèles. Chaque individu est une combinaison originale, ce qui signifie qu'au sein d'une espèce, il existe une grande diversité. Alors, au sein de cette espèce, on peut aussi considérer ce qu'on appelle une population. Une population, c'est aussi un ensemble d'individus de la même espèce, présentant une grande diversité allélique et phénotypique, mais qui vivent dans une zone géographique limitée. De ce fait, les individus de cette population ont plus de chances de se reproduire entre eux qu'avec les individus d'une autre population. Voilà ce qu'on appelle une population. C'est un cas un peu plus limité de la notion d'espèce. Et notre idée, c'est de comprendre comment une population et pourquoi une population va forcément voir sa diversité évoluer au cours du temps. Alors, c'est l'idée que représente cette diapo. Au départ, j'ai ma population initiale, la T0, qui présente une grande diversité phénotypique, liée évidemment à des combinaisons alléliques ou à des fréquences alléliques particulières. Et cette population, hein, c'est ce que je viens de vous dire, va évoluer au cours du temps. Et à T1, on voit bien ici, on obtient une nouvelle population avec une diversité nouvelle, qui repose elle aussi sur des fréquences alléliques différentes. Il y a des allèles plus fréquents, des allèles qui ont disparu, etc. Et donc, il y a deux mécanismes qui sont responsables de cette évolution de la diversité au cours du temps. Il y a ce qu'on appelle la dérive génétique et la sélection naturelle. Alors je commence par la dérive génétique. Alors j'ai ma population initiale avec cette diversité dont j'ai parlé. Première idée, dans cette diversité, tous les individus de cette population ne vont pas pouvoir se reproduire. Certains vont mourir avant d'atteindre l'âge de reproduction. Du coup, vous avez déjà un premier hasard qui va intervenir puisque le hasard va décider des individus qui vont se reproduire et par conséquent transmettre leur allèle. Ici, j'ai considéré dans mon modèle, vous voyez, 5 individus de cette population initiale qui vont vraiment se reproduire. Et ces 5 individus, donc, vont, par cette reproduction, transmettre leur allèle. Le deuxième facteur qu'on peut prendre en compte dans ce hasard de la reproduction, c'est le nombre de descendants. Chaque individu va avoir aussi un nombre particulier de descendance qui va évidemment donner naissance, si je conjugue les deux aspects, à cette nouvelle population. Donc on voit bien ici qu'au cours du temps, même si on considère des allèles et des phénotypes qui ne procurent ni un avantage ni un désavantage dans un environnement, et bien même dans ce cas précis, la population n'est pas stable parce qu'il y a le hasard des individus qui se reproduisent et qui transmettent leur allèle, le hasard du nombre de descendants qui fait que la population obtenue après cette évolution est forcément différente de celle initiale. Donc le hasard de la reproduction impose une évolution de la diversité. Et on parle, pour qualifier cette évolution naturelle d'une population au cours du temps, de dérive génétique. Voilà le premier aspect. Alors la dérive génétique, on peut en fait considérer qu'elle sera d'autant plus efficace que l'effectif sur lequel on travaille est limité. Et donc il y a deux mécanismes que vous pouvez citer qui concourent à diminuer l'effectif et donc à favoriser la dérive génétique. C'est l'effet fondateur. J'ai ma population initiale qui présente une grande diversité. Si certains individus émigrent, sortent de cette population initiale pour aller vers un autre territoire, on parle d'individus fondateurs, et bien ils représentent une population qui est plus limitée. Du coup, évidemment, cette population fondatrice ne représente pas la diversité allélique de départ, la diversité est déjà réduite. Du coup, la biodiversité est déjà différente, et sur cet effectif réduit, la dérive génétique va avoir un effet évidemment fort, et très rapidement, en quelques générations, on va obtenir une population qui est très différente de la population initiale, ce qu'on appelle l'effet fondateur. Un autre effet qu'on parle d'étranglement, mais qui repose sur le même raisonnement, vous avez une population qui présente une grande diversité phénotypique, si cette population subit des périodes difficiles et une diminution importante du nombre d'individus, et ben s'il ne reste que quelques individus, on comprend bien que là aussi on a un effectif réduit qui vraiment traduit une diversité allélique plus faible, et du coup là aussi la dérive génétique va pouvoir agir d'autant plus facilement sur cet effectif limité pour donner naissance en très peu de temps à une diversité, à une nouvelle population. Donc effet fondateur comme effet d'étranglement ne sont que des cas particuliers, si vous préférez, du principe de la dérive génétique qui de toute façon intervient, que les allèles soient avantageux ou pas, vers une nouvelle population.
Le deuxième mécanisme que vous avez à maîtriser, c'est le principe de la sélection naturelle. Au départ, on a ma population initiale, toujours pareil, avec cette grande diversité allélique et diversité des phénotypes. Et l'idée, la deuxième idée qu'il faut intégrer dans ce raisonnement, c'est l'idée que l'environnement dans lequel vit ma population n'est pas stable. Donc forcément, l'environnement va changer, les contraintes de l'environnement vont changer, et la pression de sélection va aussi changer. Et vous allez voir, je vais expliquer, dès que le changement de l'environnement s'opère, et bien cela va affecter les capacités de reproduction des différents individus de cette population. J'ai pris l'exemple ici, les caractères bleus et verts, qui sont donc deux phénotypes différents, sont des phénotypes qui sont désavantagés dans ces nouvelles contraintes environnementales. Les individus ont du mal à se reproduire, il y a un succès reproductif très faible. Au contraire, le hasard des modifications de l'environnement favorise le caractère représenté par le phénotype ici orange, et du coup ce caractère étant avantagé, c'est-à-dire qu'il a la capacité lui de se reproduire plus que ses copains. Du coup, il va évidemment au cours du temps y avoir une évolution dans la fréquence des allèles. Les allèles responsables des phénotypes désavantageux, c'est-à-dire des phénotypes qui ne peuvent pas se reproduire, ces allèles ne seront pas transmis. Donc on va avoir une diminution des allèles responsables des phénotypes désavantageux. Au contraire, les allèles responsables du phénotype avantageux, comme ces individus avec leur phénotype peuvent se reproduire dans ce nouvel environnement, leurs allèles vont être transmis au travers de leur descendance, et on va voir la fréquence de ces allèles qui augmente. Donc on voit ici qu'on a bien, au cours du temps, une variation dans la fréquence des allèles de la population, ce qui traduit par une variation dans la diversité de la population. Mais cette évolution n'est pas simplement le fruit du hasard comme lors de la dérive génétique, elle s'explique parce que l'environnement a joué le rôle de filtre, il a sélectionné certains phénotypes au détriment d'autres, il a favorisé des phénotypes qui capables de se reproduire, et donc on parle d'un filtre, d'une sélection naturelle opérée par l'environnement qui oriente le phénotype, l'évolution, vers un phénotype donné. On peut prendre un exemple très documenté que vous avez déjà vu évidemment, c'est la phalène du bouleau. On sait qu'il existe dans cette population de départ deux phénotypes lié à deux allèles différents. L'allèle 1 donne le phénotype clair, la forme phénotype clair, et l'allèle sombre donne le phénotype sombre. Donc on a une diversité initiale allélique. L'idée, c'est qu'ensuite on fait intervenir justement le facteur environnemental, la pression de sélection, et ici le facteur environnemental, c'est la pollution. On est ou non pollution. Et je considère le milieu non pollué. On est en Angleterre, avant la révolution industrielle. Les bouleaux ne sont pas... le milieu n'est pas pollué. Du coup, l'écorce des bouleaux est blanc. Et le phénotype clair, on comprend, va être un phénotype, par hasard, avantagé sur ce fond clair, puisque la pression de sélection qui correspond ici à l'oiseau, qui est le prédateur, va facilement repérer les formes sombres, les manger, et au contraire, moins manger les formes claires. Du coup, par ce hasard de l'environnement et des contraintes de l'environnement, on va avoir une augmentation de l'allèle 1 responsable du phénotype clair qui arrive à se reproduire, et on va avoir donc un phénotype, une diversité qui va se traduire par une forme majoritairement claire. L'environnement a sélectionné la forme claire. On évolue ensuite, on est après la révolution industrielle, le charbon a provoqué un dépôt de suie sur l'écorce des bouleaux qui devient sombre. Du coup, dans cette nouvelle contrainte environnementale, les papillons blancs sont facilement repérés par ce prédateur, l'oiseau, sur un fond sombre et sont mangés, alors que les formes sombres ne sont plus difficilement repérables, donc elles arrivent à se reproduire et à transmettre justement leur allèle. Du coup, on va avoir une augmentation de la fréquence de l'allèle 2 et donc une évolution de la diversité de la population. On est passé d'une population majoritairement claire avant la révolution industrielle à une population sombre après la révolution industrielle. Et cette évolution de la diversité de la population, et n'est pas le fruit du hasard, c'est le rôle qu'a joué l'environnement. L'environnement ici, la suie des présentes ou pas sur l'arbre, a sélectionné un phénotype plus qu'un autre. Donc on voit bien ici la manière dont agit l'environnement. Il filtre, il dispose d'un phénotype par rapport à un autre. Il faut bien comprendre que l'évolution par sélection naturelle n'a pas de finalité. Il ne faut pas considérer que c'est le papillon qui a décidé de muter pour s'adapter à son environnement. Ce n'est pas l'environnement qui a fait muter le papillon. Simplement, au départ, il y a une diversité allélique. L'environnement ne fait que disposer de cette diversité et choisir le phénotype qui est le plus approprié, c'est-à-dire le phénotype en fait qui va être capable de se reproduire. Et on élimine tous les individus qui n'ont pas eu la capacité dans ce milieu de se reproduire.
il n'y a pas du tout de finalité dans le processus de sélection naturelle, même si le résultat semble nous le faire croire, puisqu'on voit des espèces adaptées à l'environnement, mais évidemment on oublie toutes les espèces qui n'ont pas survécu à ce nouvel environnement. Donc si je résume ce chapitre, deux mécanismes vont provoquer cette évolution de la population au cours du temps. La population subit à la fois la dérive génétique, l'évolution liée au hasard des individus qui se reproduisent et qui transmettent leur allèle. Cette évolution peut être aussi conditionnée par les facteurs de l'environnement, et l'environnement dans ce cas-là va sélectionner un phénotype plus que l'autre, et va faire augmenter certains allèles au détriment de d'autres. Et donc forcément, par ces mécanismes, dérive génétique et sélection naturelle, on va voir la population évoluer, la diversité de la population évoluer. Donc toute population est vouée à évoluer. C'est le principe de l'évolution. Mais on peut aller un peu plus loin et comprendre déjà, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo, que quand ces mécanismes agissent, dérive génétique et sélection naturelle, parfois ils peuvent donner naissance à une population tellement différente de la population de départ que cette nouvelle population ne va plus être capable de se reproduire avec les autres populations, donc on va avoir affaire à une nouvelle espèce. Donc on va voir dans une deuxième vidéo comment, par l'intermédiaire de la dérive génétique, de la sélection naturelle, mais aussi par d'autres mécanismes, on va arriver à créer une nouvelle espèce. On va parler donc de ce qu'on appelle la spéciation.